jeune prostituée originaire des pays de l'Est a été retrouvée morte ce matin sous un abribus dans le centre-ville de Nice. Fait marquant, les policiers ont découvert sur le corps de la victime son journal intime. Cet élément devrait permettre d'éclaircir les circonstances de son assassinat. Ma sœur était belle, depuis toute jeune, entre ses lèvres des perles. Une chevelure ébène, où les regards se perdent, les sourires de ma mère évaporés. Depuis ce jour où sur le chemin du retour de l'école, trois types l'ont enlevé brusquement de ce monde. Et dans mes mains ce journal immonde, quoi bon rêver. Je peux plus dormir, dire qu'elle ne verra plus le soleil se lever. Tout le monde se désintéresse de ce qu'elle était. Faut croire que la tristesse des riches est plus émouvante que la nôtre. Maman se demande bien d'où vient la faute. Toute voix fluette récite les prières, mais la croix devant ses yeux, elle figée reste muette. Et moi je parcours les pages du livre, songeant à papa, son diplôme d'ingénieur qui pose du carrelage pour survivre. Vie ordinaire dans une ville roumaine. Je veux pas de pitié, je connais l'histoire, ceux qui meurent à la fin c'est toujours les mêmes. Ils l'ont emmené un soir d'avril, et moi je l'ai vu rentrer ce matin, les yeux clos au pays, Need Gap. Need Gap. Sur les trottoirs modernes à l'ouest, dans les rues de Milan, vitrine à Amsterdam, Need Gap. Dans un bordel sordide au Kosovo, dans les bras d'un soldat de la NATO, Need Gap. Dans les montagnes d'Albanie ou de Calabre, là où la loi de l'État en place n'est pas valable, Need Gap. Leur voiture foncée dans la banlieue de Bucarest, elle dans le coffre, un arrêt rapide dans une usine Glock, transférée dans le compartiment réfrigéré d'un 16 tonnes. Ils l'ont forcé à boire 2 litres d'huile d'olive pour tenir le choc. Première amputation par moins 30, celle de l'esprit, et voir les autres filles doucement quitter cette vie une à une. Voyager 2 jours avec le corps d'Ilona sur les jambes, elle était morte et la salive gelée au coin des lèvres. À l'école de danse, elle était bonne élève. Ils l'ont jetée dans une poubelle quand ils les ont fait descendre. Elle est restée dans ce camp à se faire souiller jusqu'au mois de décembre. Elles étaient sans, traitées comme du bétail, machine à briser les rêves. Marquées au fer à l'effigie du clan, priant, criant. Anciens militaires pouilleux, puants et sous comme clients. Terrorisés par des représailles, rendus dociles par les menaces et un orteil arraché à la tenaille. Need Gap. Sur les trottoirs modernes à l'ouest, dans les rues de Milan, vitrine à Amsterdam, Need Gap. Dans un bordel sordide au Kosovo, dans les bras d'un soldat de la NATO, Need Gap. Dans les montagnes d'Albanie ou de Calabre, là où la loi de l'État en place n'est pas valable, Need Gap. L'Ouest et ses vitrines cossues, ces gens pervers et clients qui croient tout se permettre, de la terre maître, qu'ils aillent un enfer se faire mettre. Ma sœur n'a pas eu sa chance, c'était une môme, enviant parfois le sort de nos frères qui font l'aumône. Rome, plus Bruxelles, plus Genève et plus Bonn, enfin Paris et la Riviera. Nice, près de la place Masséna, sac, jupe courte et blouson de cuir, debout sous un dracéna. À cacher la thune gagnée, dans une cabine téléphone, yeux tristes dans l'étreinte, de gens sans amour, gens sans avenir, gens sans atour, gens qui la serrent mais à ses cris demeurent sourds. Canon sur la tempe, homme de l'ombre cruel, homme impitoyable qui obéissent à la loi séculaire du canoun. La police française m'a donné son journal, et chacune que je suis, mes yeux m'en disent plus même si je me fais du mal. Claudia Eliashkou, ma sœur 20 ans à peine, décédée d'un excès de rêve sous un abribus. Need Gap. Sur les trottoirs modernes à l'ouest, dans les rues de Milan, en vitrine à Amsterdam, Need Gap. Dans un bordel sordide au Kosovo, dans les bras d'un soldat de la NATO, Need Gap. Dans les montagnes d'Albanie ou de Calabre, là où la loi de l'État en place n'est pas valable, Need Gap.